Nous arriverons au port avant le coucher du soleil. Apportez la tête de Gargaren 6 et attachez-la à l'avant. Oui, amiral. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la tête de Khemsit. Arcanthos! Atlantide. Partez vite et établissez une base sur les plages d'Atlantide. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology pour la mission 31 de notre campagne, la chute du Trident, avec Arcanthos. Donc la dernière fois on en avait terminé avec les Gargaren 6 en Scandinavie, et là malheureusement on le croyait mort, mais pas du tout. Alors ici il y a une forteresse déjà. On va se promener, donc il y a un phare, il y a... D'accord. Donc je sais où on va débarquer déjà. Et ça, on va garder cette île pas loin de nous parce que... Oula. Je sais pas où il va bombarder, mais bon, si ça l'amuse. Il touche son propre phare en plus. J'attends juste que les météorites et après je débarque mes troupes, je pense. Ah, on a un jourgonaut de siège, bah rasez-moi ça. Allez, tout le monde débarque là, fais ça. On est à l'âge classique, je rappelle. Parfait. On a des lance-pierres égyptiens. Je vais débarquer toutes mes troupes rapidement parce que là on va avoir besoin de tout le monde. Parfait, des scarabées de siège. Oh, on a des unités d'un peu partout, ça va être utile hein, comme diversité. On pourra pas les améliorer à fond je pense, mais pourquoi pas. Allez. Donc là il y a de la milice qui a été rasée, on a des vengeurs là. Le pécor, vous allez tout de suite travailler ici, mettre un forum. Il faudrait pas les perdre hein. Allez. Et vous êtes des sacs quand même d'attaquer des pauvres villageois. Allez vous. Parfait. Pas mal. Donc là on a des scarabées de siège, on va les envoyer. On a des géants. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour cette mission. Allez, prenez cette forteresse, soldats. Regardez-moi ce qu'ils font déjà, les scarabées à toi. Et si j'ajoute l'appui des géants, alors là c'est fini. Pff. Bonjour, au revoir, merci. On a 10 hoplites en plus là, on va les utiliser ici. Ok. C'est parti. Donc l'objectif là, ça va être de sauver les citoyens d'Atlantide. Donc il y en a 15. Donc je vais commencer à préparer ma stratégie. Donc je vais tout de suite faire une armurerie là pour passer à la suivante. Donc là, on a des catapultes, c'est pas mal. Donc alors, ici, on doit détruire cette citadelle, ok. Là-bas, une forteresse. Là, ça doit être tuer les hydres, un truc comme ça. Là-bas, c'est quoi? Une tour. Bon, il n'y en a que 3. Donc il nous en faut 15 en tout. On va essayer d'être le plus efficace. 5 ici. 4 là, 9. Je pense que si on récupère ces 3 là, 5 et 4, 9. Sauvez-nous ! Là, il y a du monde aussi par contre. Et on pourra en récupérer plus de la moitié d'un coup. Bon, on va réfléchir. Mais bon, faut être efficace là. Je construis un autre temple ici, on sait jamais. Et je vais dire à mes tours de tirer sur ce qu'ils peuvent voir. S'il y a une tour par là, on pourrait passer et commencer à libérer les citoyens. Et je vais essayer de passer rapidement à la géorique parce que j'ai une idée en tête de pouvoir utiliser. Donc vous allez là, vous allez là. Oh, il y a du monde là. Bon, ça va, c'est des unités lourdes, mais je pense qu'on devrait s'en tirer. Allez, vous allez par là. À toutes les unités, vous allez par là aussi. Allez.
Détruisez-moi cette porte, Fissa. Allez, passez juste, ça devrait être suffisant. Toi, tu recules parce que tu es en train de manger. Et je pourrais faire... Ah bah, c'est bien. Au moins, il se focalise sur lui. Attention, là où il y a une tour. Reculez. Laissez faire l'artillerie. On va sécuriser notre progression. Ah ouais, il y a un autre défilé de tour encore. Pouf. Allez. Le colosse, tu vas y aller aussi. Putain, c'est vraiment une forteresse ici. C'est... Wow. Toi, tu vas me ramener ta relique déjà. Hein. Il va nous falloir de l'or ici. Mais non, mais rasez-moi cette tour, je vous ai dit. Oh. C'est pas possible d'être aussi empoté des fois, je vous jure. Bon. Là, ils vont nous envoyer du monde, je pense. Hein. Mais bon, je vais essayer de détruire ces bâtiments militaires pour qu'on ait moins d'unités qui se forment. Faut lui une claque, tiens, merci. J'ai commencé à construire des entrepôts pour les ressources. Oh oh, reculez, reculez. L'île est en train de sombrer. Sauvez ces villageois et quittons cet endroit. Oui, oui, je sais, Ajax, c'est ce que j'essaie de faire. Parfait, bien joué. Rasez juste cette dernière, ça, rasez cette citadelle. Oh, il y a un contingent ennemi qui arrive en masse. Qu'est-ce que c'est? Des hypaspistes, ok. Oh, ça va. Allez, alors je vais faire un petit pouvoir de ça. Nos scarabées qui sont comme neufs. Allez, on avance. Pas mal, pas mal, c'est bien. Position défensive. Merci. Catapulte. Rasez vite ça. On va laisser faire nos catapultes ici. Bon, ça, la citadelle, elle est pas trop puissante. Bon, là, je vais faire sauter mes anubites et tout pour s'occuper de ça. Allez, et vous ressautez derrière. Bien joué. Bon. Est-ce que je peux passer à l'âge héroïque? Oui. Je vais commencer par faire ça. Donc là, j'ai des villageois qui servent à rien. Vous allez cueillir du coupé du bois. Et ce sera déjà un début. Je vais faire aussi la parenté olympique, ça nous est utile. Allez, plus que deux tirs. Je sais que vous avez envie de raser. Vite, vous barrez. Quand je vous dis vous barrez, vous vous barrez. Donc on a déjà libéré des villageois. J'essaie de détruire quelques casernes pour ralentir la progression des troupes de Gargarin 6. Donc là ils sont combien? Ils sont 5 aussi. Et là-bas ils sont 8, ok. Je pense qu'avec l'armée qu'on a, on peut se faire des bâtiments, on peut les ennemis rapidement. Allez, vous par là. Parfait. On a les troupes adaptées, hein, donc parfait, on va tout de suite faire notre pouvoir. Donc le passage des enfers va être utile pour l'évasion des citoyens. Pourquoi j'ai du rouge? Ah, c'est les drapeaux, j'ai eu peur. Prisonnier. Vous allez. Enfin, prisonnier citoyen, c'est comme vous préférez. Ils sont tellement en train de pas comprendre ce qui leur arrive. Bon, on se reforme un peu. On est un peu dispersé, on va pas se le cacher. Et on va commencer à progresser par là. Donc là, il faudra raser cette forteresse, si je vois, si j'ai bien compris le délire. Et ça nous en libérait combien en tout? 5 de plus, ok. Bon, allez, Anubis Gardien, occupe-toi de cet archer. Fais pas ta mijaurée, veux-tu. Là, on va essayer d'être le plus efficace possible dans ce scénario. C'est pas souvent évident. Donc ce que je vais faire déjà, position défensive ici.
Et j'ai oublié Arcanthos en plus. Ah bah je suis. Ah bah bravo. Mais bon, on s'en sort sur lui quand même. Hein. Allez, les géants, vous allez par là, ça va vous avoir des petites surprises. Les Anubis, vous y allez aussi, s'il vous plaît. Un manoir qui va aussi. Là, il n'y en a pas un qui est passé. Là, j'ai tout de suite développé le temple de soins pour tout simplement que nos hommes puissent se soigner. Allez. Ouh, il commence à être vénère là. Il y a beaucoup de cavalerie. Attention. Parfait, bien joué. Voilà, on va raser cette caserne. J'ai tout de suite envoyé mes deux Valkyries sur cette catapulte avec l'appui des Anubis, ça devrait aller vite. Allez, oust. Pas mal, pas mal, on est bien, c'est très bien. Alors on a trois Pégases ici. Hein. Je crois que je vais les supprimer, il ne me sert plus à rien. Mon objectif c'était de me servir d'eux comme... comment dire, pour éclairer, pour savoir trouver un bon emplacement, le reste. Voilà quoi, maintenant je pense que c'est bon. Je vais quand même construire une forteresse ici pour sécuriser l'accès. Et je vais rajouter d'autres citoyens. La forteresse continue de former des catapultes, et bah ça m'arrange. Comme ça, moi je vais pouvoir détruire la forteresse avec mes unités de catapultes égyptiennes. Comme pour préciser, parce qu'elles sont égyptiennes, ces catapultes, elles sont pas grecques. Parce qu'en grec, c'est des lance-pires. Voilà. Ah, il y a une tour là-bas. Bon, on va la détruire après, je pense, à toute formalité. Et puis j'envoie juste mes scarabées. Ils tankent bien au tir, donc allez. Allez, scarabée, on montre ce qu'on a dans le ventre, on se bouge tranquillement. Parfait. 5 citoyens de plus de récupérer. Vous reculez. Donc là, on a déjà les deux tirs de notre objectif d'accompli. Donc vous allez par là et vous tirez. Là j'essaie de sauvegarder mes unités de Valkyrie et tout. Et là on est plus très loin du dernier objectif, ça c'est cool. Allez. On se prépare, donc on va progresser vers le dernier objectif. Pourquoi je peux pas aller par là? Ouais ça va, ils peuvent y aller, j'ai eu peur. Donc on a déjà 5 de près. Il nous attaque pas, c'est le plus important. La marche est grecque. Oula, reculez, reculez, reculez. Il va falloir faire bien attention à nous. Hein. Il y a des tours là-bas. Ouais, rasez-les quand même dans le doute. Notre armée initiale, elle suffit avec le mélange d'unités mythologiques égyptiennes et scandinaves. Sans oublier l'appui du colosse grec, bien sûr. Ok, j'ai compris, on va nous emmerder. J'ai repéré un héros dans le tas. Oh, mais il y a du monde ici, ma foi. Allez. Ah, on a perdu un... Est-ce qu'il y a un polyphème dans le coin? Non, il y a un colosse, c'est chiant. Recule, recule. Oh putain, on a perdu une Valkyrie. Là, ça va être plus chiant pour prendre ici. Allez, les cyclopes, ça tombe petit à petit. Et un polyphène, évidemment, sinon c'est pas drôle. Occupez-vous de lui. Oh, mais c'est que ça régénère déjà ses troupes. Ah.
Et qui est-ce que tu fais, toi? Bon, par chance, ça va, il nous reste assez de troupes. Bah, bien sûr. Et voilà, on a perdu une catapulte, faut protéger l'autre. Oh non, il y a un temple, il y a un forum à aller chercher au plus. Oh là là, on a perdu, mince. Bon, vous trois, allez sur lui. Allez, à 3 ça doit le faire sur un cyclope, je pense. Ah, il nous attaque, ça c'est cool. Allez. Allez, vous la faut libérer. Bon, on va perdre ça, tant pis. Allez. Allons-y. Les géants, vous occupez de ce forum. Le colosse, tu vas mettre une raclée ici. Parfait. Ici, vous me rasez ça. Allez. Et vous, on va vous faire sortir de là, mais dépêchez. Parfait. Vous repliez. C'était une mission de sauvetage. Hein. Allez, vous allez me chercher cette forteresse maintenant. Allez. Allez, hop. Ça déménage. Là, il y en a 8, donc on sera 17. Et on aura terminé cette mission. Donc voilà, il n'y a pas eu de création d'armée et tout, hein, c'était juste pour occuper entre guillemets. Donc là on est plutôt peinard, on a une tour de guet, on pourrait renforcer le passage. Et bon, ça c'est fini ici. Je vais juste raser ce dernier. Je vais raser ce dernier temple, ce sera tout, c'est juste pour le fun quoi. Et apparemment ils attaquent pas mais. Ah putain, ils sont bloqués. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et je passe comment, moi? Je vais quand même les rapatrier là-bas. Juste pour libérer le passage. Hein. Allez, allez. Allez, passez. Mais bon, je préfère sacrifier un bon joueur et que finir la mission, tant pis. Et normalement, 9 et 8, 17, c'est gagné. Bingo. Et voilà, c'est une victoire de ce scénario. Bon, il n'est pas compliqué. Hein. C'est juste le fait que des fois, faut cravacher pour avoir les différents points où il y a les prisonniers. Mais bon. Donc voilà, c'est la fin de cette avant-dernière mission de la campagne Age of Mythology, la chute du Trident. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.